Les fuites de GTA 6 auraient un impact sur les développeurs sur le plan émotionnel. GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus, et les fans attendent avec impatience le mot officiel sur le jeu. Alors que Rockstar Games le garde secret, les responsables de sa société mère, Take-Two Interactive, ont révélé des détails intrigants. Les deux sociétés ont tenu un appel sur les résultats du troisième trimestre le lundi 6 février 2023, au cours duquel elles ont partagé quelques informations sur Grand Theft Auto 5, GTA Online et Red Dead Redemption 2. Cependant, dans une interview exclusive avec IGN Entertainment INC, Strauss Zelnick, président et chef de la direction de Take-Two Interactive, a rompu le silence sur le prochain jeu GTA et ses fuites. Les fuites de GTA 6 n'ont eu aucun effet sur le développement du titre au studio de Rockstar Games. Les fuites malheureuses des images pré-alpha de Grand Theft Auto 6 ont secoué l'industrie du jeu et ont eu un impact significatif sur les antécédents de Rockstar Games. La société de jeux américaine l'a gardé secret et a promis que plus d'informations seraient publiées lorsqu'il serait prêt. Cependant, les fuites sont devenues virales en ligne, inondant les sites de médias sociaux et les médias grand public d'informations. Bien que Rockstar Games ait abordé la question dans une déclaration le 19 septembre 2022, le studio est resté discret sur le sujet depuis. Dans un article récent publié par IGN le 7 février 2023, l'auteur Rebecca Valentine a partagé quelques informations supplémentaires sur le fiasco de la fuite de GTA 6. Selon l'article, Zelnick a mentionné le problème comme une question émotionnelle. Le PDG a assuré aux joueurs que Rockstar Games prenait la production du jeu très au sérieux et travaillait sans relâche pour s'assurer qu'il sortirait à temps. Même si les fuites ont eu un effet légèrement négatif sur le studio dans son ensemble, le jeu n'a pas été affecté. Strauss Zelnick a ajouté. Nous prenons les fuites très au sérieux et elles nous déçoivent tout, c'est vraiment frustrant et bouleversant pour l'équipe. Toutefois, d'un point de vue commercial, nous ne sommes pas touchés. Mais d'un point de vue personnel et émotionnel, nos équipes sont touchées. Ces paroles sont cohérentes avec la déclaration officielle de Rockstar Games, dans laquelle ils ont déclaré. Nous sommes extrêmement déçus d'avoir des détails sur notre prochain match partagé avec vous tous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons plus déterminés que jamais à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Bien que le responsable n'ait pas précisé de date ou de période de sortie pour GTA 6, les initiés de Rockstar Games pensent qu'il sortira entre 2024 et 2025. La communauté a cependant des opinions mitigées sur la sortie du titre, et tout le monde attend la confirmation officielle.